Aujourd'hui, vous vous sentez dans l'insécurité. Je vous dis, à Sainte, on ne se sent pas dans l'insécurité, mais on sait toujours que dès qu'on commence à discuter de certains sujets sensibles, notre parole n'est pas suffisante, l'école ne peut pas tout. On sent que le problème, il est national, il n'est pas seulement dans l'éducation nationale. C'est pour ça que bon, nous, on peut parler à nos élèves, on peut leur enseigner des choses, mais il faut que ce soit quelque chose de collectif davantage. Voilà, il faut, quand nous, on est dans la rue, on a l'impression qu'on est dans la rue entre nous et que le problème n'est pas suffisamment pris en compte par toute la population. Voilà, c'est un problème de société plus que d'éducation nationale. Voilà, nous, on a l'impression qu'on ne peut pas grand-chose. Voilà. En classe doit se faire après les attentats, après bon on a des discussions avec les élèves, il y a toujours des élèves effectivement à qui il faut expliquer que c'est pas parce qu'on a fait un dessin qui est considéré comme provocateur qu'on peut répondre avec des armes. Voilà, ça c'est la seule parole que nous on peut avoir, mais on n'a pas eu moi je n'ai pas eu d'écho comme quoi effectivement cette parole là pouvait pas être entendue dans les classes et les professeurs n'ont pas été mis en difficulté à cause de ça. Donc voilà, nous c'est vrai que moi, je n'ai pas entendu parler de professeurs en difficulté. Alors, à cause de ça aujourd'hui. Si c'était le cas, Olivia, est-ce qu'on vous a formé ? On a des outils qui nous sont donnés, après des moments de parole là-dessus pour échanger. C'était ponctuellement, quand on va dire assez puissant pour pouvoir... Changer la donne. Voilà, c'est nous, on peut le faire ponctuellement dans nos classes, être entendu par nos élèves, mais est-ce que c'est un poids suffisant? Non, voilà, c'est ça qu'on ressent, c'est qu'il faut que cette parole-là elle soit relayée par tout le monde, par les médias, par la famille, par tout le monde. Voilà, ça ne doit pas rester dans le cadre des cours, de l'enseignement, de l'éducation. C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus ample. Voilà. C'est ça qu'on ressent.